This film is in three languages. Dieser Film ist in drei Sprachen. Ce film est en trois langues. In every country all over the world, there has been some media reports about this man here concerning the events related to December the 21st, 2012 in France. He claims to be in contact with celestial entities. In January 2013, it was night, dark and cold, and I was looking for a place to sleep, when all of a sudden, two bearded men stood before me, and I asked them, "Are you guys revolutionaries or something?" This is how I met Sylvain Durif, who told him long before that the Pope is going to step down, as he claims in this film, weeks before it actually happened. And now he will do a peace march and crusade for world peace to Rome, Jerusalem and Damascus. So come on and join in. So just put pause. There's Bugarash. So this happened in 2012 in the south of France. Bonjour, je suis Sylvain Durif, alias le Grand Monarque, le Christ Cosmique. Donc je vais vous parler quelques instants d'un événement que j'organise à compter du 23 mai 2013, au départ d'Avignon. Donc cet événement, c'est la Marche Pacifique. Donc nous allons marcher, je vous propose de marcher tous ensemble, donc depuis Avignon jusqu'à Rome, et en poussant jusqu'à Jérusalem et Damas. Donc arrivé à Damas le 14 juillet 2013. Donc le but de cette marche, c'est d'instaurer la paix universelle dans le monde,
Donc d'obtenir en fait la reddition de la papauté et de tous les gouvernements dans le monde entier afin que nous puissions désarmer à l'échelle de la planète. Donc quand je parle de désarmement, j'entends désarmement de l'armement civil, militaire, de toutes les centrales nucléaires, donc démantèlement du parc nucléaire, des drogues, de l'alcool, du tabac, démonter tous les réseaux en fait, la prostitution également, enfin tous les réseaux qui portent préjudice à la préservation de la vie dans le monde, donc sur Terre et ailleurs dans le cosmos. Donc c'est ce que je vous propose, je vous invite donc à tous nous rejoindre, donc à tous les chevaliers de la paix à travers le monde, donc chevaliers et chevalières, je vous invite à nous rejoindre donc au départ d'Avignon le 23 mai 2013, afin d'engager cette croisade entre guillemets, puisqu'il n'y aura pas d'armes, hein, ça sera une croisade sans armes et sans croix, au sens où toutes les religions sont invitées à nous rejoindre. Cette marche est organisée par des gens libres et indépendants, donc c'est pas du tout comme une croisade au temps de l'ancien temps missionnée par le Vatican, on n'a rien à voir avec le Vatican. Justement, on va passer à Rome pour destituer le Vatican et proposer au pape donc, de prendre sa retraite, il ne sera pas remplacé. Donc à partir de là, bon, bah, je vous invite à nous rejoindre, donc, je répète, le 23 mai 2013 à Avignon. Et je vais vous interpréter un petit air de flûte pour terminer. Bonne journée à vous tous. Château de Arc. Thank you.
In jedem Land über die ganze Welt gibt es Medienberichten über diesen Mann, angehende die Begebenheiten des 21. Dezember 2012 in Frankreich. Er behauptet, in Verbindung mit himmlischen Wesen zu sein, die ihn schon lange vorher sagten, dass der Papst abtreten würde, so wie er das in diesem Film einige Wochen vorher schon bestätigte. Und jetzt will er einen Friedensmarsch mit und Kreuzzug für den Weltfrieden nach Rom, Jerusalem und Damas machen. Also kommt und macht mit. Es war im Januar 2013, es war Nacht, dunkel und kalt und ich suchte mir einen Platz zum Schlafen, als plötzlich, wie aus dem Nichts, zwei Männer mit Bart vor mir standen und ich fragte sie: Seid ihr Jungs Revolutionäre oder sowas? Und so begegnete ich Sylvain Durif. Bügerasch, Sylvain Durif. Ihr könnt dann Pause drücken, wenn ihr das lesen möchtet. Bon, donc... Je me présente, je suis Sylvain-Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ Cosmique, l'Homme Vert ou Merlin l'Enchanteur. Voilà. Donc un jour, je descends de Paris vers Arc en faisant du covoiturage. Et je rencontre sur internet, donc sur un site de covoiturage, un Camerounais qui me donne rendez-vous à la porte de Saint-Ouen. Donc là, je monte dans la voiture, donc une Clio blanche. On prend la direction de Toulouse par l'autoroute. Et à un moment donné, il me dit « Je suis Camerounais, protestant, donc on parle de religion. » Et notamment, on parle du Christ. Et au moment où on parle du Christ, tchoum, il y a un vaisseau énorme de 300 mètres de diamètre, couleur or, qui se présente au-dessus de la voiture. Et là, le Camerounais, il dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » qui sait, ils vont nous attaquer, etc. Non, je lui dis, bah, écoute, on dirait un vaisseau spatial. Dis simplement bonjour à nos frères et sœurs de l'espace, parce que visiblement, ils sont pacifiques. T'inquiète pas, il n'y a rien à craindre. Il me dit, t'es sûr? Je lui dis, bah oui, effectivement. C'est visiblement, si on avait dû avoir quelque chose, ça serait déjà arrivé. La voiture aurait déjà été attaquée ou autre. Là, il n'y a pas de risque. Donc à partir de ce moment-là, bon, on continue... Ça dure 3 minutes, donc le vaisseau apparu à 300 mètres d'altitude au-dessus de la voiture, là, couleur or, ben, il nous accompagne à 130 km/h, tout doucement, donc tout le long de l'autoroute, pendant 3 minutes, et à un moment donné, tchoum, il disparaît comme dans un trou de verre. Donc là, bon, on continue notre chemin jusqu'à la sortie de l'autoroute à Toulouse, et le Camerounais, bon, ben, il me quitte, et puis là, je continue mon chemin en stop, donc en direction de Cuisa. Donc j'arrive à Cuisa sur le coup de 2h du matin, plus de voiture, plus rien, donc il pleuvait en fait, donc je me retrouve avec mon sac, à tirer mon sac sur la route, et puis je décide de prendre le chemin d'Arc, donc rejoindre mon village à Arc, dans l'Aude, en marchant quoi, tout simplement. J'arrive au village de Serres, donc il était à peu près sous le coup de 3h du matin, et là j'étais tellement fatigué que j'avais la tête penchée un peu, donc je regardais le sol, et je tourne la tête sur la gauche comme ça. Et à un moment donné, je vois une énorme boule de lumière blanche dans un arbre. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est, on dirait une lumière... Enfin, c'est une lumière, on dirait une ampoule, mais c'est beaucoup plus fort qu'une ampoule. Et c'est une grande forme de lumière blanche, comme ça. Qu'est-ce que ça peut être? Et j'étais à 100 mètres, en fait. C'était dans un pin, dans un jardin d'une propriété privée. Et je reste sur la route, parce que je me dis, bon, tu peux pas quand même rentrer dans un jardin privé comme ça. Et j'observe ça, pareil, 3 minutes à peu près. Je reste devant cette forme à observer. Et je vois du bleuté à l'intérieur. Il y avait une lumière bleutée comme une espèce de fée. Donc j'ai pensé que c'était une fée sur le coup. Je me suis dit, mais tiens, c'est quand même plus grand qu'une fée. Donc je savais pas trop. Et puis après, au bout de 3 minutes, bon, je dis, bon, bah, tu t'en vas maintenant, tu rentres parce que t'es vraiment fatigué. Donc poursuis ton chemin. Donc j'ai poursuivi mon chemin. Et le lendemain, donc, ben, je fais des recherches sur Internet. Je dis, bon... Voyons, cherchons ce que c'est que cette lumière blanche que tu as vue, et aussi c'est ce vaisseau-là que tu as vu sur l'autoroute, donc qu'est-ce que c'est? Et donc la lumière blanche, je trouve en fait des photos d'apparition de la Vierge Marie, qui ressemblent exactement à ça. Donc en fait, sur Internet, je trouve des photos d'apparition mariale
tantôt au Brésil, tantôt dans d'autres pays. Et je me dis, ben, c'est ça que j'ai vu en fait. Donc j'ai compris que c'était l'apparition de la Vierge Marie que j'avais vécu à ce moment-là. Et concernant les vaisseaux, ben, pareil, je fais une recherche sur Internet et là je tombe sur un lien en fait qui parle des dieux solaires, donc qui ben, seraient en fait des êtres de lumière qui seraient véhiculés dans des vaisseaux de lumière dorée. Donc j'ai compris en fait qu'il y avait un lien entre ces vaisseaux, la Vierge Marie donc, et les dieux solaires. Donc les dieux solaires étant, bon, j'ai découvert plus tard que c'était Zeus, Jupiter, celui qu'on appelle Ra, donc le dieu Ra, Melchisedec, enfin d'autres, Jésus aussi qui fait partie de la Confédération des Maîtres du Cœur Sacré, etc. Donc j'ai compris en fait que ces vaisseaux solaires, couleur or, ben, étaient liés à ces êtres-là, donc à la Vierge Marie également. Donc, bon, ça c'est la première fois en fait de ma vie que j'observais ces vaisseaux et que j'ai eu l'apparition de la Vierge Marie. Et quelques mois plus tard, donc ça c'était en août 2010, hein, la première fois, et quelques mois plus tard, donc au mois d'octobre 2010, il y a une amie qui m'appelle, qui habite Rennes-les-Bains, elle m'appelle, elle me dit « j'aimerais que tu m'emmènes à la chapelle de Saint-Pancras ». Et je lui dis « ok, ben, allons-y ». Donc on va à la chapelle, on fait un rituel sur l'union du féminin du masculin sacré devant la porte de la chapelle qui était fermée. Et puis en repartant, elle me dit « je suis fatigué, prends le volant ». Donc elle avait une R19 blanche, donc je monte, je prends le volant et on démarre. On fait 200 mètres et à peine on avait fait, on avait fait cette distance, tchoum, le même vaisseau couleur or, 300 mètres de diamètre qui apparaît au-dessus de la voiture. Et je lui dis, bah, écoute, tu peux faire coucou à nos frères et sœurs de l'espace parce que c'est les mêmes que la dernière fois. elle était folle de joie, elle dit, waouh, qu'est-ce que c'est ? Waouh, super génial ! Parce qu'elle rêvait de voir un vaisseau spatial, elle n'en avait jamais vu. Et donc là, elle a pu observer ce vaisseau à 300 mètres couleur or, là, elle était folle de joie, quoi. Donc, bon, mais pareil, 3 minutes, le vaisseau nous suit tout le long de la route, là. On a le temps de l'observer, et puis. Il disparaît comme il est venu à une vitesse supralumineuse, comme dans un trou de ver. Donc voilà, ça c'était la deuxième fois où j'ai vu les vaisseaux de lumière dorée, donc qui, je pense, sont les vaisseaux de la Vierge Marie et des dieux solaires. Voilà pour cette rencontre avec les vaisseaux. Dans tous les pays, partout dans le monde, il y a eu des rapports dans les médias concernant cet homme. Et les événements du 21 décembre 2012 à Bucarest dans le sud de la France. Il prétend être en contact avec des entités célestes qui lui ont dit bien avant que le pape allait se retirer, comme il affirme déjà dans ce film quelques semaines auparavant. Et maintenant il veut entreprendre la marche de la paix et une croisade pour la paix mondiale vers Rome, Jérusalem et Damas. Alors, venez lui joindre. En janvier 2013, pendant la nuit, très sombre et froide, je cherchais un endroit pour dormir, quand d'un coup, convenu de nulle part, il y avait deux hommes barbus devant moi. Et je demandais, « Vous êtes des révolutionnaires, les gars ?» C'est ainsi que j'ai rencontré Sylvain Durif. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez le lire. Oui, donc en avril 2008, je pars au Québec et arrivé au Québec, donc je suis dans la rue les trois premiers jours. Quelqu'un à la sortie de l'aéroport me donne un billet de $5, donc alors que j'avais rien demandé. Et puis il me restait une pièce de 50 centimes dans la poche au bout du troisième jour. Il y a un clochard qui s'approche de moi et qui me dit « t'aurais pas une pièce s'il te plaît ?» Donc je lui dis « écoute, c'est ma dernière pièce, je te la donne. » Il dit « puisque tu m'as donné ta dernière pièce, en fait je vais t'emmener dans une maison où tu pourras manger, dormir, être blanchi pour $1 par jour. » Et effectivement, j'arrive dans cette maison, je découvre 150 sans domicile fixe, donc des clochards comme moi qui étaient logés là. Donc j'intègre cette maison, il m'accepte. Et je rencontre un homme qui s'appelle Georges, roumain, et il était isolé du reste du groupe. Bon, parmi les 150, il était à l'écart, penché sur une table, et je m'approche de lui, je lui dis « bonjour, est-ce que je peux vous parler ?» Et il me dit « oui, assieds-toi ». Donc il me dit, je lui dis « je m'appelle Sylvain », il me dit « non, tu t'appelles Pierre, et ça fait, je te connais, ça fait 20 ans que je t'attends ». Donc je lui dis « ah bon ?» Il me dit « oui, oui ». Je lui dis « comment vous savez ça ?»
Il me dit, ben, je lis dans les annales akashiques. Donc les annales akashiques, ce sont les mémoires de l'humanité. Et donc j'ai accès, moi, roumain, en fait, depuis mon enfance, j'ai accès à ces annales. Et donc je sais lire le passé, le présent, le futur, et avoir accès à toute la connaissance universelle. Donc moi, je découvre cela, et donc je lui pose des questions. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, ben, je suis inventeur, j'ai mis au point une invention qui s'appelle Elvita, qui est un super moteur de recherche, en fait, pour organiser une communication en transparence entre les gens, pour faciliter le rapprochement automatique de l'offre et de la demande. Et il me dit, oui, je sais, mais ton invention, c'est beaucoup plus que cela, en fait. C'est carrément le futur système de communication planétaire et intergalactique qui va remplacer le système en place au centre de la Terre, maintenu par des humains et une civilisation humaine qui s'appelle les chrononautes. Donc voilà ce que c'est, en fait, ton système. Donc, et il me dit, bon, ben, je sais que tu as besoin de fonds. Moi, je suis en contact avec l'ONU, puisque je suis un ancien collaborateur de l'ONU. J'ai fait partie des missions dans l'espace pour l'armée. Et donc, je suis en contact avec l'ONU, le FMI et les généraux de l'armée. Et donc, ils te transmettent le message suivant, c'est que tu pourrais être financé pour tes projets d'invention à une condition. C'est d'accepter leur plan et leur stratégie au plan mondial pour enrayer la pénurie alimentaire. Et donc il me dit, ils ont un plan en fait à l'échelle mondiale qui est de supprimer 4 personnes sur 7 pour enrayer la pénurie alimentaire. Donc là je lui réponds, ben, écoute, tu transmettras aux généraux de l'armée que pour moi, et donc aux gens de l'ONU et du FMI, que pour moi il n'est pas question en fait de toucher un seul cheveu d'un être vivant sur la planète, que je propose une autre solution en fait, pour résoudre la crise, la pénurie alimentaire et l'explosion démographique, c'est d'opérer une mutation de la société, donc par l'innovation et par la régénération. Donc tu diras aux généraux que moi je refuse de collaborer avec eux s'il s'agit en fait de supprimer, en fait, de faire une coupe d'effectifs et de supprimer 4 personnes sur 7. À partir de là, en fait, la communication avec Georges a été rompue, c'est-à-dire qu'il s'est devenu glacial. J'ai compris, en fait, le rendez-vous qui avait été prévu avec les généraux de l'armée, l'ONU, tout ça, a été annulé. C'était un rendez-vous qui était prévu autour du 20 juin 2008, donc le rendez-vous a été annulé. Et je me suis retrouvé tout seul, donc j'ai quitté Montréal, en fait, pour aller à Saint-Zénon, à 200 km de Montréal, au cœur de la forêt québécoise. Et au cœur du triangle sacré Atlante, d'ailleurs, puisque Georges m'avait dit que j'étais un surhomme, donc, et que j'avais la capacité de double vue, et que je pouvais, comme lui, en fait, lire le passé, le présent, le futur, et obtenir toute réponse à toute question, en interrogeant l'énergie par le pendule, par exemple, tout simplement. Donc j'ai demandé au pendule où je devais aller, et le pendule m'a répondu Saint-Zénon. Il se trouve que j'ai tiré une carte au hasard aussi à la bibliothèque de Montréal, et la première carte qui est sortie, c'était celle de Saint-Zénon. Enfin, j'ai lu un livre sur l'Atlantide de Gérard Sarrazin. Donc, ce livre parlait d'un triangle sacré Atlante. Donc, j'ai eu l'intuition en fait que le triangle avait un centre. Donc, j'ai dessiné sur une carte le triangle et j'ai trouvé le centre. Et, troisième élément de coïncidence synchronistique, le centre était également Saint-Zénon. Donc, j'ai dressé à ce moment-là une liste de 50 noms de villages et de villes du Québec. J'ai demandé au pendule de m'indiquer là où je devais aller et le pendule m'a répondu encore une fois Saint-Zénon. Donc c'est la synchronicité à chaque fois qu'il me disait d'aller sur Saint-Zénon. Donc à un moment donné, j'ai acheté un ticket de bus et j'ai pris un aller simple pour Saint-Zénon avec mon sac à dos. Voilà, donc pour parler de l'épisode avec Georges. Donc Georges, je l'ai revu une seule fois par la suite en revenant sur Montréal, mais le contact était à nouveau glacial. Donc je pense en fait que... Bon, Georges m'a informé en fait du plan des Illuminati, donc l'ordre... présidé par le prince Charles en Angleterre, donc ce plan d'éradication de la population mondiale, en tout cas en partie, puisqu'il s'agit de 4 personnes sur 7, et ça c'était le plan en 2008. Nous sommes en 2012, donc est-ce que le plan est toujours en vigueur? Je ne le sais pas. Par contre, le message que je veux transmettre, c'est que plutôt que de faire des coupes d'effectifs comme dans les grandes entreprises et à l'échelle de la société, ce qu'il est important de savoir, c'est que nous pouvons régler et résoudre la problématique mondiale en opérant une mutation par l'innovation et par la régénération. La régénération, c'est la capacité pour l'homme de prendre conscience que le plus important, c'est d'être dans l'amour de soi-même pour être capable d'aimer autrui. Et à partir de là, on pourra se libérer de toutes les formes de dépendance
que ce soit la drogue, l'alcool, le tabac, l'armement à outrance, le nucléaire, enfin tout ce qui pollue l'environnement et ce qui pollue la santé humaine. Voilà, c'est ça la solution qu'il faut déployer et c'est ça la révolution qu'on va mettre en œuvre à l'échelle mondiale pour instaurer le nouveau monde et instaurer la paix universelle. Donc c'est ça que je vais proposer donc, dans le cadre de la préparation de la marche pacifique qui va démarrer le 23 mai 2013, donc partant d'Avignon pour aller à Rome pour commencer, ensuite Jérusalem et pour terminer le 14 juillet 2013 à Damas. Voilà. Donc voilà le message du Grand Monarque que je vous transmets. Je vous remercie. C'est bon ? L'autostoppeur du Pharaon Show. Durée.